Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je vous souhaite la bienvenue au Théâtre Galli de Sanary. Je salue aussi toutes celles et tous ceux qui sont dans notre salle du Petit Galli. Et je demande à toutes celles et tous ceux qui sont debout de bien vouloir nous pardonner. Vous êtes un peu dos au mur. C'est un peu la situation de tout le monde. Mais vous, c'est concrétisé. Et puis je demande pardon à tous ceux qui sont dehors et qui ne peuvent plus rentrer, parce que là, on a plus que dépassé les limites du raisonnable en termes de sécurité. Alors, puisqu'on parle de sécurité, il y a 4 issues pour sortir du théâtre. Et oui, je prends quand même quelques précautions. La première est ici, à ma main gauche. Et si monsieur... Oui. Remue les bras qu'on repère où tu es. Voilà. Et en plus, il est beau gosse. Vous en avez une là-haut. Et vous ne descendez pas tous les escaliers. À mi-parcours, vous faites comme si vous alliez aux toilettes et vous vous retrouvez tout de suite dehors. Il y a celle-ci là-haut, par où vous êtes rentré, en tout cas le plus grand nombre, et celle-là. S'il y a un problème, on ne s'affole pas. On sort tranquillement. Je voudrais remercier l'ensemble des élus qui sont venus nous rejoindre. Ils sont nombreux, d'Olioul, qui en a une, Isabelle de Citre, de Sifour, Jean-Sébastien Vialat, notre député, maire de Sifour, Madame Torres, qui est conseillère régionale, si vous voulez vous montrer, parce que... Je voudrais remercier les représentants de l'Est de Marseille, et en particulier donc Madame Zito qui représente le maire d'Aubagne, et qui tout à l'heure prendra bien sûr la parole après Jean-Sébastien Vialat. Et il y a aussi donc mon collègue Mullet du Conseil Général, où tu es là, voilà, et M. Boccaletti du Conseil Régional, qui est là, merci. Alors, si vous voulez, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses ces derniers jours. C'est que il y avait un défaut d'information et de connaissance de cette question du plus grand nombre d'entre nous. Et quand je dis du plus grand nombre d'entre nous, je pèse mes mots, puisque je pense aussi à un certain nombre de mes collègues élus, départementaux, régionaux ou nationaux. Alors, si vous voulez, je ne veux pas faire très long, mais je sais quand même qu'il est nécessaire d'un peu poser les choses avant que nous disions notre point de vue et les actions que nous envisageons de mener. D'abord, il faut que vous sachiez que le TGV, pour Toulon, il y est aujourd'hui depuis longtemps. Il se crée à Toulon et il passe quelquefois par Marseille en s'y arrêtant et quelquefois par Aix. Et que donc, il y a plus de 20 ans, lors d'une réunion du Conseil général du Var, nous avions eu une réunion sur la question du TGV. Et assis à côté de moi, un représentant de la SNCF m'a dit « Mais vous n'avez aucun intérêt, vous les Varois, à demander le TGV puisque vous l'avez déjà et que vous allez gagner sur ce parcours quelques minutes pour aller à Paris. » Aujourd'hui, les Marseillais, les Bucco-Rhodaniens, donc les habitants des Bouches-du-Rhône, sont dotés d'un TGV. Alors comment en est-on arrivé à la situation d'aujourd'hui? C'est assez simple. La seule ville qui n'est pas dotée d'une SRTGV, c'est la ville de Nice. Comment aller de Nice à Paris? Il y avait plusieurs solutions. Celle qui a été retenue par l'État et par Réseau Ferré de France, c'est un parcours au sud de la zone Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce parcours, dit parcours des métropoles, passe par Nice, Toulon et Marseille.
Et voilà comment, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce problème. Alors, on peut défendre toutes les théories possibles. Aujourd'hui, c'est ce qui a été retenu par l'État, le parcours dit des métropoles, desservant Nice, Toulon, Marseille. Ceci étant posé, il y a quelques 3 semaines à peu près, au Conseil général du Var, nous avons voté une motion disant que nous souhaitions que, à l'unanimité, toute tendance confondue, du Front National au Parti communiste, toute tendance confondue, nous avons voté une motion disant que nous options et que nous voulions une gare à Toulon-Centre dans le tracé qui était proposé et que nous souhaitions que la lettre de M. Borloo, alors ministre de l'Environnement, soit respectée, à savoir le moins de dégâts possible, l'utilisation le plus souvent possible des lignes existantes et le plus souvent possible en souterrain. À ce moment-là, je vous assure que nous ne connaissions pas, ni les uns ni les autres, et je prends à témoin Jean-Sébastien Vialat et mon collègue Mullet, nous ne connaissions absolument pas les 3 fuseaux qui nous ont été dévoilés quelques jours après. J'ai donc demandé au conseil municipal de Sanary de voter la même motion que le conseil général du Var. Et je me suis dit, à tort visiblement, qu'un seul élu, voire 2 élus, pouvaient à la limite arrêter un train, ça c'est pas compliqué, mais arrêter la construction d'une ligne, ça me paraissait complètement irréaliste. Et puis, les fusions ont été présentées, nous les avons découvertes. Je dis nous les avons découvertes, mais je vous assure que cet après-midi encore, j'ai appelé un de mes collègues du Conseil général concerné, il n'était pas au courant. Que donc, ne croyez pas que l'information fonctionne mieux chez nous, les élus, que chez les non-élus. Mais il se trouve que du côté des Bouches-du-Rhône, entre Marseille et le Var, autour du maire d'Aubagne et du député, ça y est, j'ai mangé son nom, de Flessel, politiquement totalement opposé, une unité des maires et des élus s'est réalisée contre tout tracé. Et donc, à partir de ce moment-là, la donne change. La donne change. Parce que, immédiatement, on se pose la question, est-ce que, autour de nous, dans l'espace compris entre Toulon et Aubagne, donc et les Bouches-du-Rhône, est-ce que c'est la même position que prennent les élus? À cet instant où je vous parle, Jean-Sébastien Vialat vous le confirmera tout à l'heure, il partage tout à fait notre point de vue. Il vous le dira avec force. Josette Ponce, qui est députée aussi, partage la même position. Si elle n'est pas là ce soir, c'est parce qu'elle est à Marseille en train de défendre l'hôpital de Brignoles. Mais elle m'a demandé de vous dire sa position, elle est sans ambiguïté. Ensuite, je me suis rapproché des élus de Sud-Sainte-Baume, et donc j'ai eu le président, le maire du Castellet, M. Tambon, cet après-midi, j'ai eu hier le maire de Saint-Cyr, je sais que samedi matin, il y a une manifestation organisée au Bossé. Donc, on se rend compte, à l'instant T, que les élus varois de l'Est, de l'Ouest toulonnais, sont dans la même position que les élus de l'Est marseillais. C'est-à-dire que quand même, maintenant, nous sommes en train de nous trouver dans une situation où un front commun peut être organisé. J'ai discuté un peu plus en avant avec Jean-Sébastien Vialat. Je pense que de l'autre côté de Toulon, la situation doit être à peu près la même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure, non pas d'essayer de faire varier les tracés, mais peut-être de faire repenser l'ensemble du projet et de faire renoncer Réseau Ferré de France à cet empire dévastateur qu'ils imaginent. Voilà donc un peu les choses telles qu'elles sont. Excusez-moi, je pourrais rentrer dans une multitude d'autres détails,
mais j'essaye de faire concis, rapide, pour que chacun d'entre vous ait un peu connaissance de la situation d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, simplement, les municipalités, on va dire les villes, comme ça, ça évite l'histoire à dormir debout, les villes de Nice, la ville de Nice d'abord a besoin ou veut un TGV, la ville de Toulon se dit, mais s'il y a une liaison entre Nice et Paris, il faut que nous y soyons dessus, et la ville de Marseille dit à peu près la même chose. Donc, nous en sommes là. Il y a donc quelques jours seulement, Réseau Ferré de France nous a présenté trois tracés. Je parle de la région ouest-varoise. Si vous permettez, on va ce soir se cantonner à ça, parce que sinon ça serait un peu trop lourd et trop compliqué. J'ai donc appelé le représentant de Réseau Ferré de France, chargé de notre secteur, M. Allat. Je lui ai demandé de venir ce soir, ici, vous expliquer la position de Réseau Ferré de France et de répondre à vos questions. Il a refusé, gentiment, poliment et courtoisement, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Mais il m'a dit, j'accepte de venir faire une réunion à Sanary, si vous le souhaitez, mais pas plus de 20 personnes. Je ferai une réunion publique, enfin Réseau Ferré de France fera une réunion publique à la Seine le 29 novembre, à la Bourse du Travail, c'est-à-dire que c'est une capacité à peu près de la moitié d'ici. Donc, j'ai quand même accepté, bien sûr, qu'il vienne nous parler à une vingtaine. Donc, le maire de Bandol était là, le maire d'Evenos était là. Il y avait donc des élus de la majorité de l'opposition de Sanary. Et donc, j'avais invité les représentants de l'agriculture. On était un peu plus de 20, mais pas beaucoup plus. Il nous a donc présenté les différents tracés. Il a donné des commentaires, il a donné des explications, qui sont celles de Réseau Ferré de France. Et à la fin, je lui ai redemandé, devant l'Assemblée qui était réunie, de venir ce soir. Je lui ai promis qu'il pourrait s'exprimer tranquillement, librement, que j'assurais sa sécurité. Ah oui, je vais quand même 1m98 et à peu près le même poids. Donc, gentiment, courtoisement, il a réfuté cette possibilité, nous rappelant qu'il le ferait donc à la scène. Donc me voilà ce soir dans la situation de devoir vous expliquer ce que veut faire, même schématiquement, Réseau Ferré de France. Je sais que quelquefois, l'inconscient collectif peut jouer des tours. Je ne voudrais pas que dans votre inconscient, vous imaginiez deux secondes, même pas une seconde, ni un milliardième de seconde, que je suis le défenseur du projet de Réseau Ferré de France. Ah, vous voyez, vous l'espérez, vous n'en êtes pas sûr. Alors, je vous assure que vous pouvez en être sûr. Mais, non, mais... Que les choses soient bien claires. Je vais donc vous faire dérouler les trois tracés à partir de Marseille. Donc, on va passer un peu plus rapidement sur les Bouches-du-Rhône, mais vous verrez que le désastre envisagé est certes très important aussi, mais comme nous sommes plutôt des habitants de l'Ouest-Varois, nous allons ralentir au moment où nous arriverons dans un territoire que vous connaissez un peu plus, et je vais essayer de vous dire à peu près de ce que nous avons compris, autant que Réseau Ferré de France en soit sûr, où ça pourrait être en souterrain, en aérien, en tranchée ouverte, et même on a découvert qu'il pouvait y avoir des tranchées couvertes sur lesquelles on pouvait faire pousser des vignes. Non, non, mais je parle sous le contrôle des personnes qui étaient présentes, c'est absolument ce qu'on vous a dit. Mais j'en ai quelques autres qui sont pas mal. Donc, normalement, j'ai un laser. Oui, il y a des farceurs chez nous. Voilà.
Je vais simplement, pour essayer de vous montrer ce qui se passe, prendre du recul, c'est-à-dire je vais descendre, et je vais essayer, chaque fois que je le peux, de vous situer. Donc là, nous allons voir trois tracés, peu importe le numéro, vous allez vite comprendre la situation. Nous sortons donc là de Marseille. Oui, on sort de Marseille. Et vous allez voir que, quand même, nous y sommes en plein dedans. Donc vous voyez, l'emprise s'étend verdâtre. Donc là, on peut supposer que ça sera en tranchée, ou en souterrain, ou en aérien, on ne sait pas trop. Donc vous voyez là, hop, ça a bifurqué, et nous prenons la direction de la Penne-sur-Uvonne. Vous n'avez aucun mal à suivre, vous connaissez l'autoroute, quand vous allez à Marseille. On va demander à ceux qui sont à l'extérieur. Voilà, nous arrivons ici au Bagne, Carmousse-en-Provence, donc vous voyez que allègrement, on traverse, je dis on, hein. Il traverse, je vais me corriger, Gibelos, qui est concerné bien entendu par plus ou moins selon les tracés. Vous voyez là, ici, Carmousse-en-Provence, c'est sur le côté, là vous avez cette immense carrière qu'on voit très peu d'ailleurs, quand on est sur l'autoroute. Et nous arrivons ici. Nous sommes à Cuge. Ok, Corral étant quelque part par ici. Et donc, vous voyez que nous changeons de couleur et nous arrivons K1, K1 dans le Var. Vous apercevez au fond, ici, sur ce tracé, le circuit du Castellet, le circuit Paul-Ricard, la petite aérodrome. Sous le jaune, il y a l'hôtel 5 étoiles. Et donc là, d'après Réseau Ferré de France, nous serions en aérien, c'est-à-dire qu'on verrait, le TGV sur les hauteurs du Bossé, bien que nous ne soyons pas sur la commune du Bossé, mais sur celle du Castellet. Donc voilà le circuit, on peut avancer un petit peu. Tout le monde suit? Si ça va trop vite, vous me le dites. Et donc, nous rentrons ici dans le vallon, après, dans le vallon dit des Folies. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Sur la commune du Bossé. Donc, vous voyez bien le circuit ici, l'aérodrome là. On est en plein dessus. Donc là, nous sommes grosso modo sur la commune. Vous voyez le vallon des Folies, c'est celui-là. Et nous arrivons tout proche d'Evenos. Voilà, donc, alors Evenos, pour ceux qui ne savent pas, il y a Sainte-Anne qui est à la sortie des gorges de Loul, et vous avez Evenos village qui est sur les hauteurs ici. Donc vous voyez que, stop, on va s'arrêter une seconde ici, pour que vous situiez, vous avez au Loul, donc Sainte-Anne d'Evenos, les gorges de Loul, et donc ce tracé, ici, bifurque à l'est, c'est-à-dire qu'il va rejoindre directement la gare de Toulon actuel. Donc, on va continuer pour aller vers Toulon. On passerait ici. Alors, cette première partie, on ne sait pas trop, mais après, on passerait à partir d'ici en souterrain, avec un problème majeur qui est ici, cette vallée, qui est le Destel, donc qui est de l'affluent de la REP, elle-même un fleuve côtier. Vous voyez bien ici la marque des gorges au Loul. La ville, le centre-ville de Loul. Et donc ici, ça serait en souterrain. Pour arriver, on peut accélérer un petit peu. Vous allez voir que les Toulonnais sont soumis, on peut avancer un petit peu là. Voilà le vallon du Destel dont je vous parlais tout à l'heure. Le Groupatier. Et donc vous voyez, pour arriver à la gare de Toulon, qui est ici, donc une zone urbaine très 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 dense. Voilà, donc ça c'est la surface du faisceau.
Voilà, nous avançons en rouge, là, ce sont les rails de la gare de Toulon. Ça, c'est le premier tracé, avec des petites variantes sur lesquelles on passe. On va donc maintenant, et ensuite, il faut retraverser Toulon pour aller sortir à la Valette du Var, Solliès-Pont, la Varlette, Solliès-Pont, etc. On va maintenant, je vais vite vous montrer le deuxième tracé. Donc nous sortons, enfin nous rentrons dans Marseille, là, et nous en sortons en même temps. Donc jusque-là, vous allez voir jusqu'à Cuges, à peu près, il n'y a pas de différence. Même s'il y a plusieurs tracés hein, sur Aubagne, bien entendu ce que vous m'avez dit tout à l'heure, mon dito. Donc voilà, nous arrivons sur la Penne sur Yvonne. Il y a des variantes dans les tracés là, sur Marseille. Il y a les mêmes variantes que nous avons sur l'Ouest Varois. Il y a autant d'écarts. Nous voilà donc à Aubagne. Vous voyez que ça ne se passe pas du tout pareil que tout à l'heure. C'est un peu différent. Beaucoup même d'ailleurs. Vous voyez Gémenos. Donc cette fois-ci, le tracé est plus proche de Gémenos. Et on passe donc ici par. Le petit col qui nous permet d'arriver. Le col de l'Ange, oui. Qui nous permet d'arriver, on va tout doucement voir la plaine de Cuges, ici. Donc vous voyez que cette fois-ci, on est encore plus près du village de Cuges. Le village de Cuges est plutôt par ici. Voilà donc le col de l'Ange qu'on passe quand on utilise l'ancienne. Voilà, donc on avance et on arrive au même endroit, au circuit Paul Ricard. On peut avancer jusqu'au circuit Paul Ricard. Donc toujours en aérien, le circuit. Et on va avancer jusqu'à Sainte-Anne-des-Venos, parce que là, les choses changent complètement. Vous repérez toujours le Vallon des Folies, et au bout du Vallon des Folies, vous allez voir que les choses changent radicalement. On ne va plus à l'est, on va à l'ouest. Vous voyez le village d'Oliou, on va s'arrêter une seconde, vous vous rappelez tout à l'heure, on passait par ici. Et maintenant, nous passons par là. Alors, allons, suivons Réseau Ferré de France, on avance. Donc, nous avons ici Sainte-Anne-des-Venos, dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez ici les Gorges de Lioule, donc vous voyez que nous passons à droite des Gorges de Lioule. Ici, vous avez l'immense carrière du Gueuleur. Ici, vous avez l'usine de traitement du canal de Provence, et donc là, c'est le massif du Gros Cerveau. Donc, avançons un petit peu, qu'on voit bien, l'emprise, ils sont généreux, ils ont les moyens, elle va de là, jusque quelque part, par là. Non, là, pardon, excusez-moi. Là, pas mal. Donc, ici, nous arrivons dans le vallon du Lançon, dans le vallon de la Touraine. Vous avez donc Sanary ici. Sanary d'ailleurs c'est tout à droite. Et ici ça commence à être Sifour. Et là nous retrouvons le tracé de l'autoroute. Avec le péage. Avançons encore un peu pour voir le péage. Donc le péage est par ici, un peu de mal là. Donc voilà l'autoroute, pardon, on s'arrête une seconde. Vous allez vous situer un peu avec la Vernette qui se trouve par là. Donc on va longer l'autoroute, allez on y va. Alors là on ne sait pas, en principe ce serait de la tranchée.
Ici, vous avez la gare de Loul. Mais non. Avançons. La Seine est là. Avançons. On y verra quand on sera plus près, parce que c'est pas... Avançons, on n'est pas encore à la gare. Top. Je vous ai dit une connerie. Pardon. On revient en marche arrière. Nous avons le pont de la gare qui est ici, pardon. Voilà, donc la bifurquée ici. On a le pont de la gare ici, pardon. Et vous avez l'endroit où il va y avoir le futur échangeur. Et là, j'ai posé la question aux représentants de Réseau Ferré de France. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'échangeur? Il nous a répondu, mais s'il faut le démolir, donc il n'est pas encore construit, s'il faut le démolir pour en construire un autre, nous le ferons. Bon, c'est pas moi qui vous le dis, c'est lui. Oh. Alors, nous continuons un petit peu. Excusez-moi de mettre... Donc, la gare de Dolio-Salary est ici, le quartier de la gare est là, le quartier des Côtes du Plan, le Grand Plan. Et donc là, nous commençons pour partie à être sur Sifour, pour arriver donc à la gare de la Seigne qui est ici. Et vous comprenez que ce tracé a... Et alors, on va continuer, vous voyez, on passe à la Seigne ici. Ce tracé est un des deux tracés, celui-là et le suivant, qui ferait que la gare TGV se trouverait ici. Alors vous allez me dire, après, quand vous regardez, nous continuons et nous rentrons, avançons un peu plus vite, nous rentrons, ben là c'est le port de Toulon, donc il faut bien contourner le centre-ville de Toulon, puisque vous savez que ça se casse la figure en creusant le tunnel, donc il faut passer plus au nord. Eh oui. Eh oui. Donc on fait un grand virage et on se retrouve au pied du Pharaon. Le Pharaon, c'est ça, hein? D'accord? Avançons. Donc on traverse ici et nous nous retrouvons donc sous les pieds de monsieur le préfet du Var avec la gare qui se trouve ici. Donc vous voyez qu'on a fait un grand détour pour arriver au même endroit. Et ça continue ensuite. On va venir au troisième tracé. Toujours Marseille, suivi après d'Aubagne. Changer là sur le passage de Sous-Romagne, Gémenos, vous voyez. Alors là, c'est totalement différent. On a abandonné le circuit Paul Ricard qui est quelque part là-haut. Et là, nous allons foncer entre la Cadière et le Castellet. On va descendre. Eh oui. Donc, vous avez ici le massif du Gros-Cerveau. Donc, tout à l'heure, le deuxième tracé, on traversait au milieu du Gros-Cerveau. Cette fois-ci, on est encore plus à l'ouest. Donc, pardon, on s'arrête une seconde. Là, on est en plein dans le vignoble appellation Bandol, hein, le massif du Gros-Cerveau, le Castellet, si je ne me trompe pas, et la Cadière qui est quelque part ici. En avance. Allez, la Cadière. Avançons. Donc, nous retrouvons l'autoroute avec l'échangeur de la Cadière. Vous le repérez ici. Et alors,
Ici, il y a le plan du Castellet. Ça passe radicalement dessus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le plan du Castellet, c'est quand même un petit village, vous voyez, c'est pas rien. Donc, vous voyez ici, donc, pardon, on s'arrête une seconde, le massif du Gros-Cerveau, l'autoroute avec l'échangeur dit de Bandol, qui est sur la commune de Sanary, la ville de Bandol. Et donc, nous arrivons ici, et là, nous allons bifurquer à gauche pour longer plus ou moins l'autoroute et la voie ferrée. Allez, on y va. Oui, tout à l'heure, je me suis un peu mélangé les pinceaux parce que je pensais avoir mémorisé qu'on était dans le stop une petite seconde. Voilà, donc ici nous sommes, ceux qui connaissent le jardin des Oliviers, vous avez ici le pont de cette Trinide avec le petit giratoire, la chapelle qui est quelque part par là. Voilà, nous avançons, la Vernette, donc avec l'école qui est ici. Avançons, avançons. Bon, tout le monde se reconnaît, les Sanariens. Voilà, le pont de la Vernette, le pont de la Dominote. Et ici, le commerce de Robert Benedetti, maire de l'eau. Voilà, alors stop. Voilà ici le futur échangeur aussi. On est à peu près retourné sur l'échangeur. La route qui va de Loul à Sanary, les quartiers de la gare SNCF, on avance, voilà. Et donc on se retrouve près de Pépiole, voilà, on est au pied de Pépiole, et nous allons rejoindre la gare de la Seille, et on continue, on accélère un peu, parce que de toute façon, après avoir fait la gare de Réseau Ferré de France du TGV à la Seille, on repart dans l'Escaillon, le pont du Lens. Et on va au pied du Pharaon, sous les pieds de la préfecture, pour arriver à la gare de Toulon, où le train ne s'arrête plus. Moi, je vais vous dire maintenant simplement la position du maire de Sanary, du conseil municipal de Sanary. Je considère que ces tracés sont une véritable provocation. Provocation vis-à-vis de l'environnement au sens large du terme, vis-à-vis du patrimoine des habitants de cette région. C'est une provocation que de nous dire que ce projet va coûter entre 25 et 30 milliards d'euros, enfin on ne sait plus, au moment où le président de la République, le Premier ministre, il y avait longtemps qu'il nous le disait, au moment où on nous dit que le pays est au bord de la faillite, nous sommes en pleine crise mondiale. Alors, je pense que c'est une provocation aussi pour une autre raison. C'est qu'il me semble, mais peut-être que j'ai une autre idée de la démocratie que certains, que la moindre des choses eût été que nous découvrions, je parle de nous les élus, c'est-à-dire vos représentants, que nous découvrions les idées avancées, je ne parle même pas des projets, avant toute chose. Parce qu'il me semble que lorsque les Français se déplacent pour aller voter, c'est pour désigner des représentants, et donc qui dit représentants, pour les représenter. Et il me paraîtrait normal que les technocrates de Réseau Ferré de France, les techniciens aussi, pas tout à fait les mêmes, aient la courtoisie de ne pas nous prendre pour des demeurés. Parce que quand même, ces trois tracés qu'ils nous ont présentés, grosso modo, il y a 15 jours. Vous n'allez pas me dire qu'ils ont fait dans la nuit du mercredi au jeudi.
Ils étaient bien planqués. Je vais vous dire même mieux que ça. J'ai un de mes patients qui est ingénieur à Réseau Ferré de France. Pour ceux qui ne savent pas, je suis dentiste. Et j'en ai profité pour lui demander s'il n'avait pas des tracés il y a à peu près un mois ou deux. Il m'a dit, je vais essayer de vous trouver quelque chose. Il ne m'a rien trouvé. Il m'a dit, on ne peut rien voir. Mais ces tracés, on les a depuis longtemps dans les tiroirs de Réseau Ferré de France. Et le tracé qui va être défini à la dernière minute, c'est-à-dire avant la fin de l'année, peut-être qu'il y aura un mois de plus dit de concertation, je vous assure, je suis convaincu qu'à 98%, il est déjà choisi. Alors, moi ce que je voulais vous dire, c'est que fort, je le dis fort, de la réaction des autres élus, parce que tout seul, vous pouvez faire votre mètre 98, vous n'y arriverez pas. Fort de la réaction des autres élus des Bouches-du-Rhône et de ce département, nous avons donc pris la position de nous opposer à ce projet, tout simplement. Parce que nous avons notre TGV. Parce que nous avons d'autres préoccupations en ce moment. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des Français. Et qu'il me semble que les choses doivent être pensées autrement qu'entre techniciens. J'ai donc pris cette position-là avec le conseil municipal hier soir à l'unanimité, toutes tendances confondues. Je viens de proposer au maire de Sifour que nous essayons, et ça ne sera pas trop problématique, me semble-t-il, de réunir les élus de l'Ouest Varois lundi soir à 18h ici au Petit Gâteau. Donc nous allons inviter, on va faire le parallèle des formes avec ce qui a été fait donc, autour d'Aubagne. Je vais proposer donc aux maires des communes, aux conseillers généraux, aux conseillers régionaux et parlementaires de venir nous rejoindre. On va s'inspirer, parce que ce n'est pas la peine de réécrire l'histoire de la motion qui a été votée par l'ensemble de ces élus de l'Est marseillais. Je propose que nous allions la porter à monsieur le préfet du Var, accompagné des élus de l'Est de ce département, que nous vous trouverons pour nous épauler dans cette démarche, et qu'ensuite, avec les élus des Bouches-du-Rhône, nous allions la porter au préfet de région, qui est le dernier relais avant l'État. Il me paraît important que la décision soit reportée de façon inédite. Il me paraît important que cette mobilisation qui existe aujourd'hui soit bien perçue. Au cas où ils ne l'auraient pas compris. Nous sommes donc plus de 1000 dans cette salle. Comme il y en a plus de 300 dans la petite en dessous, et qu'il y en a je ne sais pas combien de dizaines dehors, je pense qu'on peut dire que nous étions peut-être pas loin de 2000 ce soir à Sanary pour dire que nous ne voulions pas de ces tracés du TGV. Point à la ligne.